Approchez-vous pas de moi. Approchez-vous pas de moi. Approche-toi pas de moi. Approchez-vous pas de moi. Allez, tu... Voilà. Tu l'as tué? Non, c'est... Viens là, oh, arrête, viens là où je te tape. Viens là. Ah, tu fais mal avec nous. Avance vers ton copain. Avance vers ton copain. Tu fous de ma gueule ou quoi? Donne-moi plus. Donne plus, Bosco, donne plus. Arrête-toi. Au revoir. On est mort. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Hey, je veux que ma mère soit. Céliane. Quoi? Passe-moi le joint. Je l'ai pas encore roulé, roule. Ouais, les mecs. Wesh. Ça va, tranquille. Ça va? Depuis ce matin, j'ai envie de fumer. Juif. Vas-y, roule, Idriss, non? C'est pas Idriss qui va enrouler. Comment ça, tu veux que je te roule? Ah, ça y est, toi aussi, les. Idriss, t'as quel âge là? J'ai 19 ans, quoi. Ta vieille coupe. Comment ça, ma vieille coupe? Comment ça, ta vieille coupe? Il va de ma coupe, j'ai un bon dégradé, non? Qui roule, c'est toi ou moi? Non, roule-toi, s'il te plaît. J'ai pas roulé. C'est de ma gueule. C'est de ma mère, je te jure. T'es sérieux, vraiment? Mais c'est toi, ouais, pour de vrai. Mais je t'avais appris dans la fois. Oublié, moi je. C'est toi qui roule tout le temps. Oui, donc je te parle, tu retiens pas. Si je le roule mal, tu t'énerves et tout. Bah ouais, mais faut que t'apprennes. Ouais. Vas-y, apprends. Oh, non, vraiment, apprends. Ah ouais? Ouais. Vas-y, moi je suis chaud, moi. Vas-y. Bah vas-y, roule. Ok, je prends le. Assieds-toi. Le sachet. Assieds-toi. Derrière. Fais bien. Oh, vas-y, je vais le rouler tranquillement. Hop, quoi, j'en fais deux ou trois? Deux. J'en fais trois. Trois? Attends, faut que tu prépares la cale d'abord. Ah putain, y'a un moment. Range. Viens, mais toi, cache. Viens. Jamais. Ça va, maman? C'est bon. Et vous deux? Ça va? Que vous faites? Rien? Pourquoi? Comment ça, rien? Pourquoi? Bah, rien! Je vous laisse 3 petites secondes pour amener une bière à votre père et vous faites des choses dans mon dos. Qu'est-ce que t'as caché? Mais rien, on a rien caché! Qu'est-ce que t'as caché? Je vais pas pouvoir être toujours sur vous, hein! Mais on a rien fait! T'es là, tu stresses! Arrête de stresser pour rien! Je comprends pas, maman! Montre-moi ce que t'as caché! J'ai rien caché! Toi, je sais, chérie, que t'as rien caché! Toi, je sais! Qui, moi? Montre-moi! Je demande à Idriss, moi, je te jure, je sais pas! Idriss, vas-y, dis-lui à maman ce que t'as caché, s'il te plaît! Tu fais des bêtises là depuis hier! Dis la vérité, c'est bon, tu commences à nous casser les couilles là. Oui, non. Non, mais assume, à un moment donné. Je commande rien, quoi. Moi, genre. Dépêchez-vous. Allez, Idriss, c'est bon, j'ai la vérité, c'est bon, tout le temps tu mens. En fait, non, mais c'est bon, regarde, maman, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, je vais le gronder parce qu'à chaque fois il fait des bêtises, il te ment, t'inquiète pas, je vais m'en occuper, c'est bon. Vas-y, on arrive. Sûr, je m'en occupe, on arrive. Tu devrais en prendre de la graine. Tu vois, mon frère, lui au moins, il prend ses responsabilités en main. T'as vu, moi je crois mes responsabilités. Tu vois? Mais j'ai rien fait là, je. Tu devrais faire pareil. Ah ouais, fais pareil. C'est bon, ouais, je vais faire pareil, oui. Vous avez 30 secondes, pas une de plus. C'est bon, on arrive, on ramène une bière au daron. Même 2 bières pour le daron, putain. Tu veux lui ramener toi? Ouais, direct, ouais. Il y a le frigo en haut. On a pas eu de daron, enfin. Non, je l'aime bien elle, mais. Va prendre les bières. Elles sont où? En haut. Non, sérieux, Idriss, faut vraiment que t'achètes quoi faire. Hein. Enfin, faut vraiment que tu dises à maman de te couper. Comment plutôt. Comment ça, mais t'es fou ou quoi? Comment ça, t'es fou? Bah, t'as mal coupé là, maman. J'ai un bon petit dégradé. Cette ferme même casse les couilles. Idriss, t'en as pas marre, dis la vérité. Là, on mange notre caca, on envoie des vaches dès le matin. Ouais, j'en ai marre. Tous les jours, on reste ici et vous me traumatisez toute la journée. On n'a pas d'autres trucs à faire. Et on peut faire un foot? Ouais, toujours un foot. Lourd alors. En plus, tu gagnes tout le temps, t'es trop fort. Ça va, papa? Ok, super, comme d'hab. Ça l'aime, papa. Ben, vas-y. Papa d'amour, il est très énervé. Il a quoi, papa d'amour? Papa d'amour est très énervé parce que je viens de lui raconter ce que vous faisiez dans la grange. Ah, et il a dit combien de mots cette fois? Et qu'est-ce qu'on faisait dans la grange? Ah, ok, ben d'accord. J'ai posé les bières, maman. Tiens, papa. Papa, je t'aime, papa. T'es un bonhomme, papa, t'es un exemple. Drin, il est sur l'œil. Brabus. Grand voyou, grand bonhomme. T'aimes papa, merci. J'ai faim. Maman, tu peux nous faire à manger un peu? On a trop faim. Ça tombe bien, je vous ai fait à manger. Tu nous as fait quoi de bon? Ce que vous aimez. Ah ouais? Avec tout ce que t'aimes dedans, ouais. Celui avec les nuggets? Exactement. Ok, c'est toi, le regarde le gros suceur, regarde le suceur. J'ai fait une salade. Merci, ma maman d'amour. Crache-le dans son assiette. Viens Idriss, je vais te servir ton assiette. Va t'asseoir Idriss, je te passe ton assiette. Viens. Assieds-toi. Assieds-toi petit ref. Merci. T'inquiète pas mon petit ref. Non, va voir il. Va voir un coup aussi toi. Tiens Idriss mon ref. Tiens petit frère. Merci. Bon appétit. Merci. Garde là, c'est bon. T'aimes bien, tu te régales?
délicieux. Pourquoi t'es gentil comme ça avec moi? Bah parce que je t'aime bien, t'es mon petit frère. Ok. J'ai pas le droit. Bah merci, c'était délicieux. Moi je suis méchant avec toi d'habitude. T'en ai laissé un peu. Non c'est bon, mange. Fini, faut que tu grandisses. Ok. Faut que tu grandisses, comme ça au moins tu seras aussi grand que nous après. C'est bon Idriss, t'aimes bien? Ouais, c'était bon. C'est quoi le programme pour aujourd'hui encore? Ça fait depuis que je suis petit, on est là. Quoi? Quoi? Un foot, un basket, on a fait tous les sports. C'est les JO ici. Ouais. Maman, ça va? Maman, tu joues encore à Splinter Cell? J'ai fait tomber mes lunettes. Ok, ok. Vous savez, votre mère ne voit plus très clair. Ouais, maman, elle est vieille. Tout va bien? Tout va bien? Bah ouais, on est en train de bien. Ouais, ça va, et toi? Ouais. D'accord. Vous faites. Tu fais attention, hein, d'accord? Ah ouais, bien sûr, t'inquiète. S'ils te font dire quelque chose, tu me le dis, hein, d'accord? T'inquiète, maman, va te reposer, je les surveille. D'accord. On est grand, c'est bon. on s'est bien gris aussi, on est grand. Ça y est, mais c'est normal, elle s'occupe de nous, elle s'inquiète. Non, mais elle est là tout le temps, toutes les 5 minutes, elle vient nous voir, laisse-nous. Mais elle s'inquiète. Excuse-moi de m'inquiéter pour mes enfants, je veux juste savoir que vous avez tout ce que vous... Mais on est grand, ça y est. D'accord, très bien. Voilà, va dans le salon, pose-toi, fais comme papa. Selim. Moi je suis chaud au fait du baseball, t'aimes pas le baseball? C'est bien nul ton idée. Hein. Pourquoi? Céliane. Quoi? Tous les jours, oui, je force tous les jours, je te le dis. Viens, on se part d'ici là. Regarde notre vie de merde. Non, elle nous a dit non, elle nous a dit non. Et alors, espèce de suceur, et alors? Comment ça, espèce? Mais non, mais. Tu étais un suceur. Mais non, mais ça a rien à voir avec la. Avec... Arrête de me prendre par les sentiments. Mais c'est la vérité. C'est quoi? Regarde, papa, c'est un bonhomme, c'est un grand voyou. C'est un grand voyou qui. Musclé, regarde-toi ton bas tout serré là. Ta vieille coupe, tu... Papa, il est alcoolique et drogué. Qu'est-ce que tu mets? Non, il fume parce que c'est un bonhomme, justement. Ah. Il boit parce que c'est pour se calmer, parce que s'il boit pas, c'est... C'est justement à ce moment-là qu'il commence à s'énerver et nous taper. Idriss, il est pas con. Là, il a une coupe, mais il est pas con. Je vous dis, les gars, bon, juste... arrête, au moins un kilomètre, au moins, une petite randonnée. Quoi, maman, elle va nous tuer. Ouais, elle veut vraiment pas qu'on sorte, hein. Surtout papa. Frère, c'est des salopes, putain, j'en ai... Bah, c'est... Au moins on va là-bas, on regarde, on sait même pas y'a qu'au bout de la rue. Et s'il y a les flics? Regarde, on sort. Imagine y'a les flics, ouais. Qui nous contrôlent. Et à cause de toi ils trouvent papa, on fait comment? Putain c'est vrai ça. Bah ouais. Bah, on dit que c'est Idriss. Pas cette fois, son gros short. Regarde. Bah oui. J'en ai marre, c'est toujours moi, je me fais enculer par... Regarde. Tu vas partir en courant et nous on va te poursuivre et si jamais on se fait choper, on dira qu'on est parti te chercher. Maman, elle te dit jamais rien toi, t'es son chouchou. Non mais par contre, les gars, abusez pas, on va jamais cramer papa, il est trop fort, c'est impossible. La vie de ma mère, il va jamais se faire attraper, on le sait très bien les gars, c'est Selim Rabus. Maman peut-être, elle est conne, elle... Mais approche la traite de conne. Vraiment pas conne. Arrêtez, vous voyez pas, elle nous a vu, on fumait de la beuh et elle a rien compris. Elle est conne. Elle fait semblant de pas comprendre, crois pas qu'elle a pas compris. Ah oui, mais non, je te jure, elle est conne. Idriss, tu pars en courant et si jamais les darons ils te demandent après, tu dis toi c'était parti en courant et nous on est venu te chercher. Et tu veux que je parte où? En courant? Par là ou par là-bas? Par là-bas, non. Okay. Pourquoi par là-bas? Tu connais? Non. Mais là-bas, y'a que des montagnes. Ça se trouve, c'est là-bas que c'est bien, non? Non, là-bas, ça a l'air désertique. On fait pile ou face? Ah ouais? Fais un pile ou face. Non, vas-y, ouais. Je pense là-bas, vas-y. Comme tu veux, si tu veux, on va là-bas. Hein. Non, mais ton idée, non. Moi je dis on part. Faut trouver un plan en fait. On dit à maman, on a un alibi, on va faire quelque chose qu'elle là, dans le jardin ou je sais pas où, et hop, on se barre. Moi je pense que cette histoire va mal finir, on va se faire juste non, niquer. Mais pour non, rien. Mais non, si jamais t'es dans le plan, on va jamais se faire niquer. Papa il sera fier de nous en plus, il va dire putain, mes enfants c'est des bonhommes. Au moins ils portent leur coup, ils sortent. Vous réalisez pas en fait dans quoi on vit? Bon, regarde la chambre. Bien sûr que je réalise, ça fait combien de temps qu'on vit ici? 20 ans? Ah, on a un lit pour 3. Non, il a. Non, ouais, il y a Idriss par terre, mais à chaque fois il monte, hein, à partir de. Une heure du matin, il monte sur notre lit. Il commence à faire froid. Elle dit que sa mère venait, on se pète. Voilà. T'as vu Idriss? Hein? S'il y a l'influence, c'est encore. Oui, mais on va où? On connaît rien. À un moment donné, dans la vie, faut prendre des risques. Papa, il nous disait tout le temps ça. On a rien sans rien. Mais c'est pas mieux, on prend des vélos ou quoi? Imagine, on se perd ou. Eh, nique sa mère, venez, on y va. Si jamais maman elle demande. Idriss il est parti parce qu'il a eu peur d'un renard. On va nous demander comment, trou de balle, on n'a pas de téléphone, c'est fini. Oui mais si elle nous retrouve, si elle... Maman, non, mais arrête, oh. Mère, maman. On s'en va les couilles, maman. Voilà, je dors quand je veux, je fais ce que je veux, c'est fini. Enfin, la liberté. Allez, suivez-moi les losers. Allez, losers, on y va. Allez, cours. Ça c'est ta bœuf, ça, je suis, t'as vu, j'ai pas le cardio. Tiens, Idriss, prends le cheval, t'es fatigué. T'es le plus pied. Oh là là. Suceur.
maman, elle va nous tuer. Attends, mais au pire, on fait du stop. Mais non, mais attends, quoi, tu peux partir définitivement, on va revenir à la maison un jour. Ah, faut qu'on revienne au moins ce soir. Tu vas revenir tout seul. Moi, je reviens que pour papa. Mais moi, je reviens pour les deux. Ah, pas, quoi, on va vagabonder à l'extérieur jusqu'à la fin de notre vie, on l'aura même pas dit au revoir. Attends, je fais du stop. Vas-y, viens. Tu sais conduire, toi? Non, c'est toi, non, tu sais conduire. Ouais, mais enfin, je te disais ça comme ça. On était à la maison, que je pensais pas qu'on allait toucher une voiture. Mon papa, il m'a déjà appris à conduire. Il est malin, il savait, parce qu'il a prévu qu'on parte un jour ou l'autre. Il a rien prévu du tout. Mais si, sinon il t'aurait jamais appris à conduire. Il m'a appris à conduire parce que parce qu'il voulait pas que je sorte pour conduire des voitures. Il voulait que des fois j'aille chercher des courses. Vu que toi, on peut pas te confier de responsabilité. Ça, c'est parce que c'est maman et ça, c'est Idriss. Je sais qu'il parle dans mon dos, Idriss. Je te vois, Idriss. Hein. Ah, jamais, je sais jamais. Je t'ai analysé. Ah, attends. Toujours moi, je te dis quand les autres ils parlent dans ton dos. Ah, t'as être en panne. Attends. Non, monte. Monte. Oh, elle marche. Je te jure. On va mourir. Mais non, on va mourir. Arrête. Attends. Non, on va mourir. Tu sais pas conduire. Non, je sais conduire arrête un peu. De mentir. Je te promets, je sais conduire un peu. Mais c'est quand? Je t'ai jamais vu conduire. Si. Tu l'as déjà vu conduire? Non, je l'ai jamais vu conduire, moi. Il va nous. Mais non. Dans un platane. Mais je sais conduire. Attends, regarde. Il m'a dit. On est à la ferme. Non, regarde. Fais-moi confiance. Ouais. Je mets la première. Ouais. Non, merde. Attends. Oh. Attends. Ok. Non, c'est à gauche en haut. Regarde, c'est marqué 1. Ouais. Attends, j'ai calé. Non, il a calé. Il a calé. C'est pas drôle, arrêtez, attends. Snap le Idriss. Putain, on a pas de téléphone, c'est vrai. Putain, la honte. Là. Ouais. Non. La deuxième. C'est quoi, c'est vers en bas? Regarde, c'est marqué 2. Mais fils de pute, conduis si jamais tu sais conduire, toi. Mais je sais pas, juste c'est logique. Ben voilà, t'es plein de conseils. Tu me dis, fais ça. Tu sais conduire, conduis. Arrête de me faire paniquer. Y'a maman derrière. Roule, démarre. Si ouais. Attends. Tourne. Ouais. C'est bon, j'ai le truc. Attends, fais attention, je vous envoie pas dans un arbre. Y'a des valises en haut. Je crois qu'il y a des armes dedans. Vérifie après, j'ai pris une M4. Non, y'a rien. Non, moi je parlais de deux livres, parce que papa il nous est le savoir est une arme. Ah oui, ok, bah oui. Ok. Si tu me racontes, M4, c'est bizarre, Idriss, non? Bah ouais. Moi je pense qu'il y a au moins de l'argent ou quoi dedans, c'est obligé, ou des vêtements. Non, s'il y a des sables pour moi, on est bien. Des vêtements pour Idriss, ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, et maintenant on va où, Bader? Le savant de l'équipe? Attends. Attention. C'est bon. Oh là là. Allez, roule doucement, parce que tu sais qu'on se fait contrôler, on est. Enfin, t'as pas de permis. Ouais, ça c'est vrai ça. Mais c'est incroyable la ville. Wow. Regarde, et nous on voit que des vaches dès le matin. C'est comme dans les livres. Mais c'est comme dans les films. Ouais. Ils ont plagié. On grille les feux rouges comme papa. Vas-y, ouais, t'as raison. Je vais où? Je sais pas, à droite. Ouais. Oh, c'est pour nous. Oh mon dieu. Oh yo yo. Oh là. Non, retourne à la maison. Non, mais non. On n'a pas de bœuf? Non. Mais comment on va faire? Ben j'en sais rien. Mais tu peux t'en passer de la bœuf? T'es accro à ce point? Je suis accro, je veux de la bœuf, moi. On en fume tous les soirs. Idriss repart la chercher. Non. Ah ouais, bah. Ouais, attends, là? Après, ouais. White Widow. Là, c'est un truc de bœuf, ça, non? Ah ouais, je vois un symbole de bœuf à droite. Non, de fils de pute, on n'est pas majeur. Avance, non? Mais quoi, il faut être majeur? Pense, non? Après, ça fait quoi si jamais je suis pas majeur et que je fume? Tu croyais qu'on respectait pas les règles comme papa? T'as changé de discours? Ouais, mais papa, c'est le grand banditisme, tu vois. Ah. Ça, c'est des petits trucs. Papa, lui, c'est. Il rentre, il braque le White Widow. Même pas, il demande. Mais le White Widow, il est à lui, carrément, si tu me racontes. Ah bah pourquoi il sort pas pour s'en occuper du White Widow si jamais il est à lui? Parce qu'il est fatigué, il gère le business au loin. Tous les soirs, la tête de ma mère. Vous savez très bien, les gars, je mens pas. Tous les soirs, je l'entends, il est au téléphone avec des. Il est là, il dirige des hommes. Respectez papa, les gars. Mais on le respecte, mais c'est toi, tu le surestimes de fou, alors que moi, ça fait 5 ans qu'il m'a pas adressé la parole. Parce que t'es qu'une merde. Voilà, regarde-toi. Il y a un coiffeur à gauche. Oh, pour Idriss. Ah non, moi je garde mes bouclettes. Merde. Mais non, mais. Oh là là. Naturel. Oh, sinon quoi? Oui. On fait gaffe. Oui, ça marche. Viens, ouais. On veut couper nos cheveux, viens nous couper, viens. Radio, y'a un mec qui travaille au coiffeur là ou pas? Y'a un autre salon qui est ouvert apparemment près du. Près du. Toi, je sais pas qu'on appelle papa, ramène un coiffeur. Ouais, s'il te plaît. Papa. Ok.
Ramène un coiffeur, on va appeler. Quoi? Hein? Tu veux que j'appelle papa, toi? C'est ça? Qui est ton daron? Je m'en bats les couilles, ton daron, moi. Non, dis pas. Eh, mon daron, il te défonce la gueule déjà. Oh, ah, vas-y, ramène-le. C'est là, attends, de mon quartier. On veut juste faire couper les cheveux à notre petit ref. Donc, est-ce que tu peux faire ça pour nous? Ou ou tu veux qu'on se batte? Eh, Fatou, viens, là, il y a des clients, là, ils forcent. Il faut une supérette. La coiffeuse, elle fait une supérette. Comment ça, elle fait une supérette? Elle braque une supérette. Comment ça, elle braque une supérette? Oh, c'est là. T'as entendu? C'est la street. Ah ouais, ouais, ça paye pas assez là, quoi faire? Moyen, en vrai de vrai. Quelqu'un peut me dire à qui appartient ce véhicule, s'il vous plaît? Non, je sais pas, il est à moi, il est à moi. Il est à lui. Ah, ça vous dérangerait pas juste de le tout ce qui existe, c'est mon quartier. Quel frère? Ça va, monsieur les policiers? Ça va et vous, monsieur? Ouais, ça va. Ouais. Vous avez vu, c'est sale ce quartier, ils sont sales les gens qui vivent ici. Wow. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai. Vous nous avez dit, pouvez nous réparer la voiture contre de l'argent. Ouais. Ok, on n'a pas d'argent. Donc, ce qui pourrait être bien, c'est que tu nous donnes de l'argent, nous, on répare la voiture et on te rembourse ton argent. Ça se tient, non? Moi, j'aurais dit oui direct. Attends, mais ça se voit, il est con, il va dire non. Regarde. Toi, tu nous passes de l'argent, nous, on te ramène la voiture, on te passe ton argent et au moins on t'a remboursé. Et au moins la voiture, elle est réparée, tout le monde est gagnant. Toi, t'es remboursé, nous, la voiture, elle est réparée. Putain, c'est un truc de ouf ça, pourquoi on fait pas ça tout le temps? Ben ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais attends, c'est pas tes affaires, c'est des affaires que... Toi, pars là-bas, là. Il veut te voler ton business, il veut te voler ton plan. Vas-y. Je veux... Le mécano, il est derrière. Il nous suit, l'esprit nous suit, là. Oh, yo. On est cramés, les gars. Oh, non. Putain, les grillages. Pardon, je sais pas très bien conduire. Vas-y. Oh, ils arrivent. Ah, non, c'est bon. Tourne un peu à gauche. Non, wesh. Ça va, attends. Ça. C'est bon. C'est bon. Fred. C'est bon. De toute façon, il va la réparer, c'est pas grave. T'es un bon, toi. Yo, mais elle est explosée, la voiture. Mais non, elle a rien. Bah ouais, bah, on va pas te ramener une voiture neuve. Je suis un balas, moi. Groove Street, balas gang. Quoi? Pourquoi il a fait des signes de les mains? Pourquoi t'as fait des signes avec tes mains? Pourquoi t'as fait une danse? C'est le signe du gang, balas gang. T'as une crampe? Balas gang. Sa mère, le balas, ouais. Mais pourquoi? J'ai cru qu'il y avait une mouche. Pourquoi dès que tu dis balas, tu fais ça avec tes mains? C'est le signe du gang, balas gang. Gang, quel gang, si tu racontes là? Comment ça, gang? Street, balas gang. Groove Street, c'est quoi? C'est une rue, c'est quoi? Ouais, c'est notre rue. T'as des spasmes? Non, c'est balas gang. T'es malade, toi, non? Non. Ah ouais? Non, mais si, j'ai déjà vu ça dans un livre, il agit de la tourette. Ouais, je crois, c'est ça. Non. Il est niqué, lui. Eh, ils connaissent pas notre quartier. Je leur dis Balas Gang, je fais le signe. Ils pensent que je vous connaissez. Attends, fais voir. Attends, j'étais. Refais. Attends, si je le dis moi, peut-être voir. Une fois de ta gueule. T'es payé à chaque fois que tu le fais. Balas Gang. Mais c'est. On revendique le Balas Gang. C'est nous, on gère tout ici. C'est qui, Balas Gang? Ah ouais. Ils font pas ça. Aidez-moi. D'accélérer avec la voiture, non? Mais chez moi, bordel! Cours! Oh non, il me suit à moi! A l'aide! Bader! Le cox, il me suit! J'ai plaqué le cox! Je te jure qu'ils nous ont. Ils nous en doivent une, hein, par contre. Attends! Non, s'arrête! Bonjour, monsieur! Je reconnais, vous! Allez, bon, aïe! Oh! Ils sont assez bazers! Ah non, c'est bon. Ah, Bliss. Tu me dis en tout cas, pareil. Mais putain! Non! Mais complètement zinzin, celui-ci. Ah, à deux reprises. Ah, vous êtes foutus. À l'aide! À l'aide! Non! Non! Non, attends mon frère. Oh. Ah. Voilà. Tu l'as tué? Tu l'as tué? Comme papa. Tu l'as tué? Voyou, comme papa. Je valide complètement le move. T'as tué le cox? Je l'ai pas tué, j'ai pas vu, j'ai fait un coup. Papa. Elle rentre, on rentre à la maison, je vais le raconter. Non. Hey, faut que je le raconte. Oh les galas, vous nous en devez trois. Comment ça, j'ai sauvé deux fois votre pote et mon frère il a sauvé une fois votre pote. Vas-y. Est-ce que t'aimes l'alcool ou pas? Non. Quoi? 2-1. Pour nous. Prends la raquette. Ok.
Ils veulent nous racketter? Bande de fils de pute, vous voulez que j'appelle papa? Mais non. Là, attends, je vais appeler papa, vas-y rackette nous, j'appelle papa. Non, on va pas te racketter, tranquille. Tu vas voir. Et Raphaël Nadal, c'est bon? On va pas vous racketter, tranquille. Putain, toi t'es grave drôle, toi. C'est qui ça? T'inquiète, comédien de père en fils. Je connais pas Raphaël Nadal. En gros, il a fait une blague, tennis, raquette et... En gros, il est pas drôle. Tu regardes le tennis, toi? Ah ouais. Ok, Nike. Comment ça, Nike? Ah, moi c'est Draco, désolé. Des tennis, t'as compris ou pas? Ah ouais, Nike. Vas-y, j'ai pris des trucs que je vais vous offrir. Ouais, ça va. Sauver. Qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là encore? Ils m'ont sauvé par le cops. C'est quoi ça? Hop. Waouh. Ça se mange? Je crois que j'ai trouvé ça dans le coffre. C'est dégueu. Tiens. Mais pas bon. Ah merde, tiens, ça prend. J'ai un goût bizarre. Du golf avec. Et on va faire quoi nous avec ça? Faut pas le porter comme ça pour faire du golf par contre. Faut le porter comment? Vers le bas. Je me mets dans le cul ça. Pour taper dans une balle. Attends, mais j'aime bien. C'est bon toi. Regarde. Partez. Hop là. Regarde. Hop là. OG. C'est quoi OG? C'est mon OG. Partez vite. C'est quoi OG? Moi aussi je suis OG. Ouais, même moi. Moi aussi. Vas-y les gars. Allez, moi je suis pas un coq, je suis pas un fils de pute. T'es pas un coq? Ah, je suis pas un coq. Cops. Un cox. Okay. Non, un pox. Mais pourquoi elle parle mal votre copine bien. Là? Parce qu'elle est frustrée. Parce que j'aime pas les gens comme vous. J'ai un endroit où vous pouvez travailler. Où ça? C'est où? À une licorne. Pour ouvrir vos jambes là-bas là. C'est quoi? Tu travailles là-bas? Non, moi je travaille pas là-bas. Jamais de la vie. Forme nous, non? Non, moi je suis patronne coiffeur. Non. Approchez-vous pas de moi. Recule, je t'ai dit. Cours. Aïe. Non, Idriss, pardon. Il a frappé son pote. Ferme-le, Idriss. Attends que je me relève, je prends ma hache. Idriss, il est mort. Cours. Idriss, tiens le coup. Waouh. Quel coup, Idriss, pitié. Dis-moi que tu vas bien. Faut qu'on l'amène à l'hôpital. Elle t'a fait mal? Idriss ou moi? Non, toi. Non, toi aussi, je te jure, toi aussi. J'ai pas mal, je suis comme papa, solide. Viens. Pop, mais attendez. C'est qui celui-là? Bader, monte. Écoutez, espèce d'enfoir, vous allez descendre d'ici tout de suite. Ouais, je vais descendre d'ici. Poussez-vous. C'est lui qui m'a agressé. C'est cet enfant. La voiture, elle fume. Ah non, c'est pas la mienne, c'est bon. C'est où l'hôpital? Il faut qu'on trouve l'hôpital. Moi non plus, je sais pas. Monsieur! L'hôpital, pitié! Ta mère! Madame, oui. L'hôpital c'est où s'il vous plaît? Pitié, on a un blessé. Là, vous allez à gauche, vous remontez la vite, vite, vite s'il vous plaît, plus vite. Le 4ème pont rouge à droite. En face du gouvernement. Je sais pas où c'est. Mais c'est où le gouvernement? C'est où? Vous avez un GPS, si vous voulez je peux vous le mettre dans le GPS. Non. Quoique, bon, vu la bicoque, ça m'étonnerait qu'il y ait un GPS là-dedans. Non. Ah non, ils en ont pas. Ah, oh bah merde. Pitié, il saigne. Ok, allez. Qu'est-ce qu'il a votre ami? Il est tombé. Il s'est pris des balles. Non. Quoi? Une batte. Ah, il s'est pris un coup de batte. Quoi? Qui lui a mis un coup de batte? Ok, là vous allez à gauche. En fait, gauche, on ici, fait du baseball, mais on savait pas trop jouer. Et il s'est pris un coup de batte, mais de la part de qui? Vous êtes fait agresser? C'est nous, on jouait au baseball. Et du coup, ça. Il s'occupait d'attraper la balle derrière le. Ouais. Celui qui frappe. Ah oui, là. Je vois un peu la scène. Voilà. Et la sortie d'après à droite. Quelle sortie? La celle-là. Heureusement que t'as le permis, hein, Céliane. Putain. Ouais. Ah ouais. Je vais fermer les yeux sur ce que je suis en train de voir. Ok, c'est bon. M'a dit t'as eu ton permis en combien de temps, Céliane? Premier coup, direct. Oh, putain, t'es fort. Oui. T'es très très fort. Toi aussi, bientôt tu vas l'avoir. Ouais, c'est vrai. Cool, là tu peux m'expliquer. Comment c'est une priorité à droite, qu'est-ce que c'est? C'est une priorité à droite. Comment à droite, ouais. Ils sont prioritaires. C'est ok, c'est à quel moment? Genre là, il y a une priorité. C'est à droite. Non, bon. Désolé, je l'ai dit un peu trop tard. Oui, pardon. Et toi, c'est quoi une priorité à droite, monsieur? Je sais tout, Bader. Et là, à gauche. À gauche. Bah, j'ai pas le permis, je ne sais pas. Ah non, mais monsieur, on passe pas comme ça sous le terre-plein en. Oh mon pardon. Dieu. Oh mon pardon. Putain de merde. S'il vous plaît, à l'aide. À l'aide. On a un blessé. Qu'est-ce que c'est ça? Soignez-le. Monsieur, arrêtez de paniquer, monsieur. Soignez-le, pitié. Arrêtez de paniquer, on va s'en occuper. C'est mon petit frère. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous d'abord ce qui s'est passé. Un coup de batte dans la tête. Un coup de batte dans la tête. D'accord, ok. Je vais juste regarder. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ok, il a perdu connaissance.
Vous pouvez me présenter un permis de conduire, monsieur ? Parce que j'ai une personne, j'ai une source sûre apparemment, qui me dit que vous avez pas de permis. Le permis de quoi ? De conduire ? Ah si, j'ai le permis de conduire. Vous pouvez me le montrer s'il vous plaît, monsieur Céliane ? Non. Voilà, bonhomme, voilà, bonhomme Céliane. Bah non. Gonfle-pé. Comment ça, non ? Bah j'ai pas envie. J'ai le droit ou j'ai pas le droit de pas avoir envie ? T'as pas le droit. 34, tu peux saisir la voiture, s'il te plaît, merci. Non, mais non ! Non, s'il vous plaît, 34 ! Oh, 34 ! Attends, 34. Oui. Notre petit frère, il est blessé. Il faut qu'on le ramène chez nos parents, donc s'il te plaît, tu saisis pas la voiture. Vous pouvez pas appeler un taxi pour un. Mais non, j'ai pas d'argent. On est clochards, on est des SDF. S'il te plaît, 34. On est des sans-abri. Toutes nos économies, on va les donner aux médecins pour qu'ils soignent notre petit frère. Tu vas par exemple nous prendre la voiture de notre père. Moi, je te demandais si tu avais un permis. Tu es incapable de me le montrer. Justifie pourquoi tu peux pas me le montrer. Pourquoi je peux pas. Tu veux que je te dise pourquoi je peux pas te le montrer le permis? Non. Allez, dis-moi. Je vais te dire pourquoi je peux pas te le montrer. Pourquoi? Parce que je suis pudique. Mais c'est quoi le rapport? J'aime vraiment pas ma tronche sur la photo. Écoute, tu caches, tu prends ton doigt, non. Tu mets sur ta photo. Et tu mets ton pouce dessus. Non. Bah oui. Bon, c'est simple, il a pas de permis, il repart pas avec son. J'ai le permis. Oui. Alors, oui, j'ai le permis. Donne-moi ton numéro de permis. 12. Quoi? C'est quoi? Non, 6 200 000. Quoi? 200. C'est encore pire lui aussi. Non, c'est 12. On a notre frère qui est blessé à l'intérieur, vendez notre permis. C'est 12. Oui, monsieur, parce que c'est dangereux d'essayer des gens sans permis. Mon numéro de permis, c'est 12. Non, c'est pas possible, c'est à 4 chiffres le numéro de permis, monsieur. Non, c'est 12. Ok, je vais regarder. Oui, s'il vous plaît. 12, ok, attendez. Du coup, vous êtes mademoiselle Margaret Jackson. C'est ça. Oui, c'est moi. Un changement Non. Un petit voyage dans un pays étranger? Non, mais pas, je suis juste madame, mademoiselle Margaret. Ok, oui, d'accord. Il y a un problème. Écoutez, vous avez un problème avec ça, peut-être. C'est une nouvelle génération, vous avez le droit d'être qui vous voulez. Je vous remercie. Une femme, un homme, une plante, Écoutez, très bien, mademoiselle Margaret Jackson. Moi, je suis la chose. Je vais tâcher d'avoir mon permis sur moi, madame. Nous, on est sympa. J'aurais pu vous amender, je vais pas le faire et je vais pas votre saisir votre véhicule. Les autres collègues l'auraient fait, alors... Ok, eh ben... Je suis super reconnaissant. Faites attention à vous et à votre frère. C'est quoi le nom de votre frère qui a eu un accident? Idriss. Idriss, ok. Oui. Vous, c'est Marguerite. Marguerite, ah, mais oui, Marguerite, du coup, le permis. C'est bon, je les ai niqués. Ah, oui, bonjour. Vous avez niqué ? Non, pas vous, les skaters devant. Oh, il va bien ? Il est mort ? Ça sert à rien, moi, je suis pas au courant de votre truc. Je crois qu'il est décédé, malheureusement. J'ai du mal à comprendre ce que tu racontes. Eh, ferme ta gueule, sinon je vais devant, je saisis ta voiture, c'est bon ? Non, ils ont dit non déjà. Tu peux, c'est trop tard. Pardon, messieurs. Non, c'est bon, le cox, c'est bon. Arrête le cox, c'est bon, s'il te plaît, pardon. C'est bon, j'ai dit pardon, le cox. Pardon, le cops. Pardon, le cops. Pardon, le cops. Le cops. Le cops. Le cops. Le cops. Pardon, le cops. Pardon, le cops. Désolé, monsieur, de vous avoir mal parlé. Passez une bonne journée. Vous avez passé une bonne journée. Parfait, merci. Parfait, merci. Bonne journée à toi aussi. Prends pour un grand. Bon, allez. Ton voiture, on saute. Non, c'est bon, pardon, monsieur. Pardon. Nique ta mère, toi et la voiture. Prends la voiture. Va te faire enculer. Prends la voiture. Prends la voiture et prends même ta daronne, la pute, fils de pute. Cours. Fais demi. Non, yes. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Pardon, madame. Oula. Arrête, mais j'ai rien fait, s'il vous plaît, j'ai pas d'argent. Laissez-moi. Ah, arrête. Mais j'ai pas d'argent, vous voulez quoi? Mais à l'aide, bandeur. Oh. Pourquoi ils m'aident pas, c'est mon frère. Il doit être avec le docteur Smith. Espèce de sale bâtard, pourquoi je peux pas aider? J'ai paniqué. Comment ça? T'es là tout le temps, toute ta vie, tu dis bonhomme et tout, je sais pas quoi. Parce que ça s'apprend, c'est pas du jour au lendemain, ça s'apprend. C'est très sportif quand même. Merci chef. Après, vous avez directement l'ascenseur là-bas pour vous échapper, si vous voulez. Ah ouais ? Après, c'est juste un conseil que je vous donne pour éviter tout problème. Ok. Je vais pas être très regardant. Donc apparemment, votre frère, il a pas sa pièce d'identité, donc je vais prendre... Tu l'as encore oublié à la maison, mais putain, mais Idriss, t'abuses, hein ? Ah, je l'oublie à chaque fois. C'est bon, moi je vais vous la donner. Attendez, je me laisse mon chercher dans mes poches. Oh non, je l'ai oublié aussi, putain. Si, moi je vais la passer. Vas-y, donne-lui. Hop, pas toi. Et voilà, moi je l'ai. Ah putain,
non, c'est pas... Arrête, toi aussi ? Oh non. Putain, mais... Non, par contre, messieurs, si vous ne pouvez pas attester d'une pièce d'identité, je vais vraiment devoir appeler la police. Écoute, hein, va à l'accueil pour appeler la police, je reste ici avec les messieurs, d'accord ? Comme ça, il n'y en a pas un qui sort, ils peuvent s'échapper par derrière, d'accord ? Okay, allez-y, je les surveille ici. Voilà. Aïe ! Cours. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il a fait un malaise, Allez, allez le chercher. Ouais. Allez, montez. Comme papa, les gars, comme papa. Oh merde, pardon, monsieur. Oh non, la portière. Ok. Vous voulez nous aider, ça se voyait. Cherchez un garagiste, monsieur ? Ouais. Parfait. Ouais, exactement. Super, ça marche. Venez. Attends, en fait, ça m'a fait. Je voulais demander s'il y avait moyen. Garez-vous là, je vais m'en occuper. Ok. Les deux là, c'est mes stagiaires, du coup, ils vont rader avec moi. Hein. Venez voir, je vais vous montrer les petits comment on fait. Belle voiture. Classe. Bon, regarde. Classe, en gros, tu vas dans le moteur. Attends. Ok. Papa, ouais. Il m'avait montré, ouais. Regarde, bah, tu vois, tu prends le moteur. Viens, viens, Idriss. Idriss, viens voir. Tiens ce câble. T'as vu ce câble là-bas ? Ouais. Tu le tiens. Ouais. Voilà, tiens-le bien. Ensuite. Idriss. Idriss, lâché, c'est chaud, il est chaud. Ouais, non, fais gaffe. Ouais. Regarde maintenant. T'as vu l'intérieur, le bouton là ? Tiens, hop. Montez. Ok. Et ensuite là, normalement à l'intérieur, ce sera bon. Putain. Non, roule. Je suis à fond. Vous allez où ? Attendez, on la teste. On arrive, on la répare, on fait un tour de repérage. Rodage. Là, on revoit au Baba Motors. Énervé. Ouais, on va t'allumer, mon pote, sors de la caisse. Non, c'est pas notre faute, elle roule toute seule. T'as su de le côté. On n'arrive pas seule, à l'arrêter. Là. Bosco. C'est ma caisse. Bosco, sors le. Les gars. Le sur le côté, yo. Elle roule toute seule. T'es obligé de rouler, je les ai insultés, roule. On va vous la rendre, messieurs. Arrêtez-vous, putain. Eh, on va vous plomber là. Il est armé. Et c'est un psychopathe avec moi. Allez. Voilà, on vous la rend. Désolé pour la gêne occasionnée, allez, messieurs. Qu'est-ce que tu fais? Mais si! Je vais pas me battre. Arrête, je vais pas me battre! Viens là, où? Arrête, viens là où je te tape! Arrête-toi! Tu faisais mal avec nous? Avance vers ton copain! Là! Toi. Non, c'est bon, il s'est arrêté! C'est mon otage! Tu relèveras pas! Viens là, Bosco! Bosco? Je veux juste me récupérer ma caisse, je veux pas de problème! C'est notre voiture! Ok! Ils sont beaux vos costards, hein? Si. Ouais, ils sont bien. Merci. Vous pouvez me les donner? Ah, parce que c'est matin, et sinon ça va okay, pas t'aller, ça se voit. T'as... Non, mais non, mais ça va pas lui aller, Bosco, ça sert à rien. Pourquoi vous êtes en costard? Moi. Non, moi je suis médecin. Je suis un reporter, je. Ouais. Un reporter de quoi? Je fais des reportages, je suis journaliste. C'est le meilleur. Vous voulez quoi? Vous voulez Kishta, c'est ça? Ouais. Ouais. Tiens, tu veux Kishta? Tiens. Fais attention, fais attention. Relâchez-nous. Y'a combien là? Y'a à peu près 8 000 $. Fous de ma gueule ou quoi? Donne-moi plus, Bosco. Bosco, putain, c'est la seule liasse que j'avais, putain. C'est tout ce que j'avais. Il faut de la glace, mon truc. Bouge pas, toi. Pourquoi t'es armé, Bosco? Arrête de me fouiller. J'ai plus son arme. Mais pas tes mains dans mes fesses. Écoutez, arrêtez. Voilà. Écoutez, on veut pas de soucis avec vous. Je veux juste récupérer ma putain de caisse. Bah faudra payer, monsieur. Faut payer, on a payé déjà. Ouais, mais encore, monsieur. On veut un plan lucratif. On veut quelque chose, là. Qu'est-ce que tu peux... Je sais pas. Non. C'est là, j'approche. Si, c'est bien. C'est bien ce que tu fais, là. Ouais, j'aime bien. Voilà, on veut un plan. On veut un plan. Vous voulez plus une grosse kishta ou... Je sais pas. Non, on veut une kishta qui se régénère. Et un appartement pour dormir. Ouais, je peux vous trouver ça. Ce soir? Ouais, si vous voulez, je peux vous trouver ça, ouais. Et des téléphones? Téléphone? Ouais, je peux vous trouver ça aussi. Et une voiture? Ouais, je peux vous trouver ça aussi. Voiture, mais arrête de dire oui à tout ce qu'il dit, toi! T'es un débile ou quoi? T'arrives pas à négocier, t'es débile! Écoutez, on veut pas de soucis. Si vous voulez quelque chose, on vous donne, mais. On veut un appartement avec une télé! Oh! Ouais, et internet! Ouais. Internet, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? On peut trouver ça. La maison est pas équipée d'internet. Réunion! Mais tout droit! Les gars, appartement, téléphone. T'as ta femme qui t'attend. Un plafond. C'est quoi un plafond? Elle dit: oh Bosco chérie, Un plan. Vas-y, chauffe-le, Bader. Vas-y, bouge-le un peu là. C'est Idriss. Bouge-le. Chauffe-le, Idriss. Idriss, chauffe-le un peu. Regarde la tête à Idriss, lui il fait peur. Non! Ah! Ok, écoute! Voilà, non, ah, arrête! Ah, écoute, tu vas le faire! Merde! Pourquoi le premier coup il a pas mis KO? J'ai pas su de force, cours! Pourquoi le premier coup il a pas tué? Ah putain, on aurait pu. T'as l'argent? Ouais, je dois avoir dans les.
13 000 On part à pied. Et on part où? On est mort. Arrête-toi, toi, arrête-toi, arrête-toi. Non, 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 les gars, aidez-moi. Reviens là. Allez. Reviens là. Non. Moi, vous me ferez pas. Vous savez qui je suis, moi. Non, qui je suis Carlos Bosco. Bosco, défends-toi. Bosco, défends-toi, Bosco. Arrête, Idriss, arrête. Bosco, défends-toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, Bosco, c'est comme ça que je voulais tuer. Bien joué, Spider-Man. Mais vite, vite, dans la ruelle. Voilà, allez, cours, cours, toi aussi en rouge là. Voilà, là, fais plus le malin. On est vraiment désolé, ça. Vraiment, vraiment. Mais toi, contre le mur. Contre le mur. C'est échappé, il s'échappe. On voulait pas, on voulait pas. C'est allé trop. Moi, je suis une victime, moi. Non, mais ça a rien à voir. Ça a rien à voir. C'est une victime, lui. Moi, vous me volez, moi. Non, non. Vous le volez, lui. Mais non, mais ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Écoute, on est des SDF, on a besoin d'un allongement. Et c'est pas la bonne solution, tu vas travailler. Trouve-toi un taf. Tu voles un véhicule. Je sais pas. Tu voles une voiture, tu tapes des mecs. Tu voles les mecs. Eh, moi, je te jure. Mais on voulait juste vous la réparer. Rien de grave. J'ai un débutant de métal. Non, on peut pas les buter. Non, vous allez pas nous buter, oh, quand même. Mais non. Tournez-vous. Allez, venez, on fait la paix. Venez, on fait la paix, s'il vous plaît. Excusez-vous. Tu t'appelles comment, toi? On tapine pour vous, si vous voulez. Tu t'appelles comment, toi? Moi, je m'appelle Idriss. Quoi? Mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait une soumission, là. Arrête. Céliane, range ton arme, toi. Ouais. Écoute. Moi, je lui éclate le crâne à ton petit collègue. Non, écoute. Non. J'ai une putain d'âme, mec. Écoute, tu vas relâcher. On va relâcher tes potes. Recule, là, celui en gris, recule. Pardon. Vous les relâchez, je le relâche, on repart à zéro. On repart à zéro, on discute. Lâche ton pote. Relâche mon pote et je relâche les chiens. Et on discute, après. Son crâne, ça c'est bon, je vais rien faire, je te le dis. Arrête, moi j'ai rien fait, moi. Relâche mon pote. Dis-leur que j'ai tiré trop fort. T'as ma parole. Relâche ton pote. Dis-leur. Quoi? Ah, tu veux les trangler, t'es sûr? Relâche mon pote, t'as ma parole. Ah ouais, jure. Si. Je te jure, je vais relâcher tes potes si tu relâches mon pote. C'est bon. Vas-y, venez. Okay. Okay. Rejoignez votre pote. Allez, cassez-vous là. Je me casse, c'est bon. Casse-toi. On leur revoit la voiture. Leur voiture, elle est où la voiture? Ça va pas. Oh, viens là, toi. Qu'est-ce que vous faites? Descendez de la caisse. C'est bon. Allez, courez là. Allez, courez. Ah, dégage! Tu descends tes bancs! Répare la voiture! Écoute, c'est bon, arrête! Non, j'ai des flics! Arrête! Il y a la police! Arrêtez-vous! Non! Pitié, attends, je peux te t'expliquer! Vous avez été pris en flagrant délit! Je peux te t'expliquer! Un coup de club de golf? Oh mon dieu! Bader, je me fais courser encore! Mais j'ai pas de voiture! C'est une boucle infernale! Oh mon dieu, il va nous détruire! Ça ne s'arrêtera jamais! Descendez! Ça ne se terminera donc jamais! Monte ta mère! Fils de pute! Il est où Idriss? Attends, là tu pars en couille là. Non, c'est pour notre survie. Non, écoute, c'est pour nous que je fais ça. C'est pour nous que je fais ça. Deux minutes après, mais on est pas recherché. Il a dit quoi le mec? Non, tu sais, il a dit quoi le flic? Il a dit vu que lui j'ai pas réussi à l'attraper, eh ben je vais tout mettre sur son frère. Je te jure, il a dit ça, c'est pour ça. Ok, bah c'est vrai que t'as eu raison. Idriss, c'est nous. Idriss, c'est nous. Ok, là on a assez foutu le bordel, là faut vraiment qu'on se calme. Oui, mais là on est recherché là. On va l'offrir, on l'offre au Ballas. Oui. On appelle le LSPJ. Oui. Et on dit qu'ils nous ont forcé. Oui. Voilà. T'es trop fort. Tout à l'heure, on a fait des bêtises chez vous. Du coup, pour se faire pardonner, on vous a ramené une voiture de flic. Pour se faire pardonner, ils ont ramené une voiture de flic. Un cadeau. La voiture blanche. Pas n'importe laquelle. Hein. T'as ramené la voiture pour te faire pardonner. Tu crois que je vais en faire quoi, la voiture? Ben, je sais pas, la brûler. Bah, tu la mets en violette, elle est trop belle. De brûler des voitures de cops, j'ai pas que ça à foutre de ma vie. Bah, j'en sais rien, bah, conduis-la alors. En plus, regarde les problèmes que tu m'as pris, mon gars. Mais non, c'est pas des problèmes. Alors la réparer. Et vous êtes les galas, vous disiez tout à l'heure que vous niquiez les cops. Les galas, c'est les balas.
Eh, hey, on est des clochards. On n'a pas de maison, on n'a pas d'argent, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi. Baisse les yeux. On peut rien, on a rien d'autre. Céliane, t'es un fils de pute, Céliane. Pourquoi? Elle était enceinte. Qui? Tu l'as écrasée, elle était enceinte. On bat les couilles. Oh, t'es un assassin. Il va mouchoir ou quoi? Ah bon? Vraiment rien à péter qu'elle soit enceinte. Comme papa. Eh, hey, je vous donne 5000$, je vous donne 5000$, vous prenez la voiture derrière vous, vous partez, ils vont vous suivre, vous prenez la voiture derrière vous, vous partez. Je sais pas conduire. Papa. Ah, ta mère toi avec ton papa, ouais, je te casse les couilles. Mais bon, c'est que le chibre, ben rentre à la maison, fille. Suce-le, le daron. C'est pas éthique, je peux aussi. Ouais, c'est pas éthique, mais bon, au bout d'un moment, je sais pas s'il a pas le barreau là depuis la ferme. Bon, en vrai, son âge, c'est pas, je pense pas. En vrai, on a terminé la mission là. La mission quoi? Bah, la mission de. En fait, Idriss, t'as vu tout là-bas là? Tout ça, c'est à cause de Céliane. Il y en a un ou trois, il est dans la sauce. Pourquoi? Ils veulent vous choper. Ok, ok, écoutez-moi les. Range ça, t'es cool. Écoutez-moi les Valas. Vous protégez. Les Dallas. Vous protégez. Les Balas. Balas. Les Carabas. Écoutez, vous nous protégez et nous en échange, on vous redonne un service. Eh, regarde, je vais prendre une voiture, je vais bouger, je vais aller dans le canal derrière, vous sauterez le muret. C'est bon, c'est bon, vas-y mon champion. Ah, bien vu. Pour mes frères, je fais tout. Ça veut dire si jamais vous êtes dans la merde, je vous sauve, femme enceinte, pas femme enceinte. Allez, viens, il est là derrière. Il faut aller dans le canal. T'as compris ou pas? Allez, venez. Les cops, ils veulent les choper, allez, je les aide, on n'est pas les cops. Elle arrive devant le flic. Je les aide. Arrête-toi. Au revoir. Yo, je vais t'écraser. Oh, baissez-vous. Oh yo, putain, il va nous tirer dessus, je l'ai écrasé. Oh putain. Tu sais conduire toi, Panis? Yo, là on est dans la merde là. Maras gang. Yo, il nous tire dessus, t'es con. Moi je te dis la vérité, Bader, on est mort. Ouais, bah oui. Non. En fait, c'est que moi, de. Il y en avait qu'un qui m'a attrapé, il est parti en vacances. Ouais, c'est que de la mala pour rien. Ouais, c'est ça, il va donner au hasard et. Mais non, vous allez voir. La mala pour rien. On va te niquer en cellule, toi. Tu vas voir. Arrêtez-vous. Wesh. Préparez-vous à courir, les mecs. Arrête. Messieurs, sur le côté, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Attendez deux minutes. On va se mettre sur le côté. Attendez, il fait des TikTok là. Visez vite fait. D'accord, allez, arrêtez. Voilà, salut à tous. Alors voilà, bienvenue dans notre nouvelle fête. Je vais vous montrer comment semer les flics. Faut passer là, à 60 km/h. Mais roule. Y'a rien là. Arrêtez-vous. Ça c'est con ça. Allez les criminels là. Moi je suis réel fume, on est mort. On arrive. Moi je sais conduire que les buffalo. Oh non, c'est un OTP. Mais pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle roule plus, elle roule plus. Mais où tu vas? Elle roule plus. Il pue sa mère, oh là là. Oh mon dieu. Descendez. Oh mon dieu. C'est bon, arrête-toi, ça y est, c'est fini. Tu vas où? Descends. Voilà, les bras levés, les gars, hop. Contre le mur. Je suis pas un criminel, moi je suis un gentil monsieur. C'est ça cause. Faut les embarquer, ouais. Faut les embarquer. Ouais, on va les embarquer. Non, les gars. Non, y'a pas de négociation. Les gars, on peut tout vous expliquer. Il faut qu'on vous explique tout d'ailleurs. On a été forcé à le faire. Oui, d'accord. Vous allez nous dire, c'est les balasses. Vous voyez pas depuis tout à l'heure, on est tenu en otage par des. On est en otage! Des balasses, des balasses, des malasses! Par pitié! T'as une preuve que c'est eux? Bah, c'est leur voiture! Et en plus, on a entendu plein d'infos, mais on pas celle avec laquelle tu es rentré dedans. Ouais, mais ils nous ont forcé parce qu'ils voulaient vous la voler, ils voulaient qu'on la ramène au quartier. Ils voulaient voler mon véhicule pour la ramener au quartier. Exactement! Et c'est pour ça, après, on était au quartier et ils nous ont dit. Ils nous ont gardé en otage. Vous me les embarquez, il y a les EMS qui ont porté plainte contre eux. Quoi? Pourquoi? Les fameux. Elle est parfaite. Ouais. Ah bah ils ont renversé Maxine. Mais pourquoi ils t'ont porté plainte contre nous? Bah parce que. Vous avez renversé. Donc vous les croyez à eux et pas à nous? Bah clairement oui, du coup. C'est pas vous qui avez agressé en EMS? Non, c'est pas nous. Non, c'est les balas, ils nous ont forcé à le faire. Ah bon, oui, c'est pas d'accord. Vous. Les balas, ils nous ont forcé à le faire, ils ont dit sinon ils allaient nous tuer. Oui, putain, les trois petits cons, vous êtes dans la merde. Ça fait 2 heures qu'on vous cherche, en plus avec Carty, ça m'a énervé. Ah, elle est là-bas dans le véhicule. On avance. Elle est où là? Elle est où? J'en prends un qui veut venir avec moi. Non, pas moi. Je prends l'autre là et ça coupe les radars. Eh bien. Bon bah, du coup, vous êtes obligé. Vous. Tu t'appelles comment toi? C'est Liane. Du coup, monsieur, je vais faire une palpation de sécurité. Ah, moi, tu me fais courir, petit con? Bah, je pensais que ça allait te faire du bien. Parce que tu te laisses un peu aller des fois. Écoute, je vais te le dire. Quoi? Tu vas ressortir des cellules rapidement. Ah ouais? Ouais, tu vas ressortir rapidement des cellules. Bah, nickel. Ça va être très rapide, t'inquiète. Super.
Le plus beau vice de procédure de ta vie. Tu vas le retenir, ce vieux. Bah, j'espère, ça m'arrangerait de sortir le plus rapidement possible. Oh, du coup, monsieur, je prends votre club de golf. Si je pouvais sortir aussi vite que je suis sorti de la chatte à ta mère, ça m'arrangerait. Ouais, pas de galère, t'inquiète. Ouais. Ok, mais bon. Ouais. Tout va bien. Recolle-moi encore une fois, je t'en. Oh là là. Vas-y. Chapman. Chapman, désolé, il va pas lancer. S'il te plaît, lieutenant, laisse-moi le massacrer. Tu vas rien faire. Il y a une chaîne. Bon, il va pas lancer lui. Aïe. Vas-y, 34. Calme-toi, vas-y. Aïe. Espèce d'enfoiré. Il a osé percuter ma femme. Il m'a pété l'arcade. Toute journée, on embarque tes frères par contre. Il m'a pété l'arcade. Bader. J'ai vu, oui j'ai vu. Aïe. Merde, pourquoi je... Oui j'ai vu, oui j'ai vu. T'entends mal, j'ai mal, Bader. Arrêtez de frapper. La vie de ma mère, j'ai rien vu. Voilà. Bader, t'es sérieux? T'es sérieux, Bader? Il est où le troisième? Il était embarqué. Tu veux que je te dise là où il est le troisième? Il est dans la chatte à ta grand-mère, la pute. Voilà. Il est dans la chatte à ton arrière-grand-mère, la reine des putes, fils de pute. Quoi, il en a pas assez pris? Il veut que je rajoute? Non, c'est bon, laisse-le là, il le va troisième, rester. Troisième, vous le mettez au sous-sol, on va s'en occuper. C'est quoi le troisième? C'est ton frère, c'est ça? Oula, toi, tu fais attention à toi là. Pardon. Il a dû répondre non. J'espère ton gosse, il est mort! Enlevez-le, écorte-le. Mais c'est quoi ces paroles? T'es fou? Ok, parfait. Barrez-vous en dessus. Il va me frapper, il va me frapper. Non, vous allez laisser me frapper? Vous êtes des policiers, vous allez me laisser me frapper là? Les ordres, allez. Attendez, mais vraiment? Vous allez laisser me frapper là? Là, vous êtes des flics! Vous êtes des flics, vous? Hein? C'est ça la police? C'est comme ça qu'on vous a appris? Bande de ripoux! C'est bon, j'ai compris le message. C'est bon, j'arrête. J'arrête de faire le malin. Tu reviendras plus jamais à Mission Row. Non, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je vais te revoir dans 2 heures, non? Non. Sûr? Sûr. Allez, casse-toi. Non, je vais en prison. Si mes frères sont en prison, je vais en prison. Il va sortir, ton frère. Casse-toi. Tant qu'il est pas sorti, je sors pas. Casse-toi. Tant qu'il est pas sorti, je sors pas. Sortez son frère. Ça va, madame? T'es pas blessé? T'as failli tuer mon gosse, espèce de merde. Il est en vie? Ouais. Ah, tant mieux. Tu veux que je te donne un couteau? Tu veux planter peut-être mon ventre? Pour la prochaine fois, ça pourrait servir. T'as pas de parents? T'as pas de conscience? Je savais pas que t'étais enceinte. Ça change rien, tu m'as écrabouillé contre un mur juste parce que j'avais ton frère à côté de moi. Madame, c'est mon frère. Mon frère, je lui sauve la vie. Mais on allait rien vous faire. Eh, moi j'en sais rien, moi les Valas, ils m'ont dit que vous les Cox là, vous étiez des gens bizarres. Ah ouais, bah t'écoutes les Valas, moi je parle pas avec toi, hein, t'écoutes les Valas. Pourquoi il est à poil? Pourquoi il est à poil? Il a plus de vêtements. Il a perdu ses vêtements sur la route. Il m'a mis à poil, ils m'ont fait danser. Idriss, non! Et il nous a montré ses fesses aussi. T'es pas trop blessé? Non, ça va. Ta meuf la pute, elle est pas trop blessée? Espèce de petit fils de pute, espèce de raclure. Ta meuf la quoi? Non, rien. Aïe! Mais aïe! Oh! Voilà. Je suis sympa en plus, comme ça, je t'ai laissé repartir de l'hôpital, j'ai pitié de toi. Oh! Sombre merde. Tu m'as caché dans mon genre! Oh! Sale connasse! Aïe! Ah. Touche plus jamais au volant. Salut, yeah, man. Salut les Valas. Non, c'est sérieux? Quoi? Bienvenue au quartier en bas, ouais. Je vais péter au plomb. On vous a ramené une caisse encore. Attends, mais... pourquoi tu spoil? Non, c'est quoi ça? Non, attendez. Ça va? Non, c'est sérieux ça? Quoi? Ouais, elle est belle, hein? Oh bah. C'est une double voiture qu'on vous a ramenée. Vas-y, explique-moi le principe d'une double voiture parce que... Bah, en gros, t'as vu des fois quand tu roules? Des fois, il... Ah, mais j'ai compris ce qu'il veut faire, ça fait plus de place comme il ça. Peut, il peut y avoir de la poussière ou des clous, des fois, qui peuvent crever les pneus et qui vont abîmer la voiture. Uh-huh. Ou des petits cailloux qui vont, en roulant, ça va rayer un petit peu la carrosserie de la voiture. Tu vois ou pas? Rayer un petit peu la carrosserie de la voiture. Eh ben, en gros, quand tu fais une double voiture, la voiture d'en bas, elle protège la voiture d'en haut. Oh my god. Hein, Bader? En gros, la voiture d'en bas, c'est la voiture secours. Il a bien expliqué le concept, franchement. Et au moins, elle reste tout le temps clean. Et on vend le concept, on le vend pour, je crois que c'est 25 000, je crois. Attends, parce que j'ai juste un coup de fil. Oui, allô, Bill Gates?
Oui, c'est moi, c'est Céliane. Oui, le concept de la double voiture, vous voulez l'acheter combien déjà? 3 millions? Non, va falloir mettre plus, hein. Va falloir mettre plus, monsieur Gates, parce que là, nous, on voulait vendre le concept à des amis, plutôt. Et dès qu'on peut, on se voit si jamais ils sont pas intéressés. Ok, monsieur Gates? Super. Merci. Au revoir. Ok, c'est bon. Ouais, il veut le prendre, mais j'ai dit que je préférais donner au Balas, si jamais. Alors? Alors, monsieur les Galas? Les quoi? Les Panas. Ouais, les Panaches. Les quoi? Les Maras. Je pète un plomb. Vous prenez le concept ou pas? Parlons concret. Déjà, ton Bill Bates, Bill Waits, il veut te l'acheter 3 millions, c'est ça? Ah, attendez, allô? Oui, monsieur Jeff Bezos? Oui, vous allez bien? Oui. Pas sur le CLM. Y a Bader, il vous passe le CLM. Oui, c'est pour le concept de la double voiture? Ah ben justement, j'étais au téléphone avec monsieur Gates là, il en voulait 5 millions, vous en voulez combien vous? 10 millions pour le concept? Ok, bon, je vous tiens au courant parce que j'aimerais bien le vendre le concept au Valas. Et si jamais ils le veulent pas, je reviens vers vous, d'accord monsieur Bezos? Super, merci. Au revoir, ça marche. Décidément. Vous avez intérêt à l'acheter, ça va partir vite les Valas. Ouais, y a un conseiller financier, vous savez quoi. Ce qui se passe, c'est que là, je sais pas où tu veux que je sorte mon 3 millions. Non, je vous fais un prix, on vous fait un prix d'amis. On a besoin d'autres trucs à la place. Vas-y, raconte. Ok, réunion. On leur dit quoi? On leur dit, on veut logement, bouffe, manger, chiottes, douche. Et un taf. Non, vas-y, toi tu parles bien, tu vois bien le... Ouais. Mais vas-y, dis-lui. Ouais. Allez, porte tes couilles un peu là. Bonjour, monsieur. Yeah. Du coup, pour... Vu ce qu'on a enduré ensemble, et vu tout à l'heure, tu nous as sauvés. Ouais. Avec le SPG. Ah, mais vous avez trop cru, c'était le tchèque sans vos mères, par contre, là. Alors, ça, c'est pas très professionnel, ça. Ça, c'est bon. Ah non, c'est pas en pleine négociation. C'est foutu quoi, là? T'as vu? Ils ont dit c'est le concept là d'où vous votre sort. Attendez, on est en train de. Attendez. Oui, monsieur Musk. Oui, bonjour, monsieur Elon Musk. Vous allez bien? Oui, c'est pour le concept de la double voiture? Ouais, y a monsieur Bill Gates et monsieur Bezos qui m'a appelé. Ils en voulaient 10 millions, mais je préfère la vendre au Balas. Vous en voulez combien? 15 millions? D'accord, bon, je vois avec les Balas si jamais ils veulent pas en acheter et je reviens vers vous, d'accord? Super. Attendez, merci, monsieur Musk. Au revoir. Tout le monde veut acheter ce concept là. Bref, dans le logement de douche. C'est quoi le délire là? Pourquoi vous rentrez, vous écrasez une chino avec un contender? C'est quoi le délire? Pourquoi vous rentrez? Bah attends, mais tu veux... Pardon. Désolé. Désolé. Pardon. Moi j'ai mal à goler. Vas-y les gars, je vais boire de l'eau parce que là je suis. Vas-y les gars, je vais boire de l'eau parce que là. Quoi? Ah! Aïe! Mais il a fait quoi lui? Pourquoi tu me baffes? Pourquoi j'ai pris une baffe? Je crois que je t'ai pas entendu, tu me gnagnes là, je sais pas quoi. Mais Idriss, arrête. Arrête de l'imiter. Arrête de l'imiter Idriss là. Moi je veux le voir le concept de la double voiture là. Regardez, je vous montre. Attention, voilà, et voyez la double voiture? C'est là tout. C'est là que tout le concept il est. Là c'est très très sérieux. Là vous voyez, vous comprenez? Vous comprenez ou pas où on va en venir? Fais le mieux. Après nous on n'est pas des pilotes de double voiture, nous on est des inventeurs nous hein. Balas gang. Oh c'est qui eux? Je sais pas qui c'est frère, vas-y. Te baisse ta mère, tu ramènes des bouffons ici là, vas-y. Wesh. Tu veux que je te tire dessus quoi? Allez, vous restez là, c'est bon? Regarde bien. Tu vois là, t'es aligné avec 3 mecs, j'ai juste une balle, je vous allume tous, t'as capté? Donc là, soit tu fais bouger les mains, tu les mets dans les voitures, ça, tu tranquille, qu'ils assistent de loin ou bail, mais bouge les d'ici, parce que là, ici, c'est Balas Families. Ouais, c'est qui le chef? C'est toi ou c'est lui? Ah, vas-y, cassez-vous. Ah, c'est toi, c'est lui le chef? Non, casse-toi. T'as mis un coup de pression. Tu prends une balle ou pas? T'as mis un coup de pression. Casse-toi. Ça va s'engrainer très vite, hein. Il lui a mis un coup de pression, je suis choqué. Vas-y, dis-moi aussi. On est du mauvais côté. Oh, s'il vous plaît. Dis-moi. C'est bon. Ah, on est du mauvais côté. Moi je vais avec vous. Pardon. Cassez-vous là. Faites comme si on n'était pas là. Oh, mais mettez-les dans les voitures. Mais. Voilà. Reste avec vous. Idriss, viens avec nous. Enlevez les clés du contact, mettez-les dedans là. Ils vont écouter de la musique. Mettez des Skyrock, mettez ce que vous voulez. Tu mets juste le poste radio ouvert. Ouais, c'est bon. Ton gros Marcel là, je vais t'envoyer au plafond. Bon Marcel, enlève ton échappement. Ouais, bon, j'ai le même Marcel, mais il est quand même plus stylé. T'as ta grosse snapback où tu ressembles réellement à Jiraya en dessous, man, on va... Non, faut tirer là, sérieux, faut se tirer dessus là. Ça y est, taisez-vous. Non, faut se tirer dessus. Vous êtes confiant. Adonis. Ça y est, fermez là. Non, arrête. J'ai parlé avec... Ouh. Oh là là, en fait c'est pas, il va se faire manger les fesses. Repartez avec eux, c'est votre team, c'est pas là. Non, nous avons vu. Taisez-vous. Pardon.
Ouais, oh, on a bien fait de rester avec eux. On a heureusement. Family's Gang. Family's Gang. Moi je m'appelle Céliane, mon petit frère il s'appelle Idriss et mon autre frère jumeau il s'appelle Bader. Enchanté. Mais qu'est-ce qu'ils font là avec eux? Je comprends pas. On t'expliquera après, on t'expliquera après, champion. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais on est avec vous maintenant, Family's Gang. J'espère que vous avez des infos, hein, les gars. Ouais, on en a plein, on en a plein. Oh, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Parce que là, t'as vu, t'es là, tu prends ta grosse voix, tu gonfles les pecs, écoute-moi bien. Je te baisse ta mère, toi. Non, reste tranquille, écoute. Moi, à la base, on travaille pour les balas, si vous voulez nous embaucher, pour qu'on travaille pour eux. Tu vois, mmh. Et nous on leur a dit oui. Et quand on a vu que c'était des grosses chiennes, on a dit vas-y, on travaille pas pour des salopes, tu vois, mmh. Ou pas? C'est tout. D'accord. Ça veut dire nous, on a vu que les balas c'était des salopes, on travaille pour vous maintenant. Tu travailles dans quoi? Je travaille dans tout ce que tu veux, sauf le sexe. Tout ce que je veux. Ouais, tout ce que tu veux, ouais. Intéressant. C'est quoi vos noms là? Moi c'est Céliane, lui c'est Bader, c'est mon frère jumeau, et lui c'est notre petit frère Idriss. Ok. Donc la prochaine fois tu ressentons sur moi, ça va pas se passer pareil, t'as compris ou pas? C'est bon, pardon, c'est bon. Je me suis emporté. Ton menton là. C'est bon. Vie de ma mère, je vais te niquer, t'es mort toi. C'est bon, pardon. Eh regarde bien, là t'as entendu des trucs qu'il fallait pas que t'entendes. Ouais, je vais dire un truc, ton écrochu là, tu dis un truc à qui que ce soit. Je m'en bats les couilles, hein. Même à Azteca, Scorp, je m'en bats les couilles, qui tu veux. Tu parles à qui que ce soit, je te retouche. Eh moi je dis rien moi. Écoute-moi bien, moi je dis rien moi. T'as compris ou pas? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Mais moi je dis rien moi. Je sais pas. Non mais écoute-moi, parce que là tu fais des menaces pour rien, moi je parle pas. Ton sweat qui touche le sol, je vais serrer, je vais te mettre trois claques, tu vas. C'est bon, on fait des vannes là, c'est Rap Contenders ou on peut discuter comme des hommes? Tu taffes dans quoi? Tu sais quoi ton domaine à toi? Moi? On est des fils de on fait tout. On est quoi nous? On fait tout nous. On fait tout. Ouais. Restez sur les toits. Vous avez pas ça qu'un domaine de. Oh. Lui, son domaine, c'est qui paraît innocent. C'est le repérage. Lui, le repérage. Son domaine, c'est le vice. Et moi, je suis un débrouillard. Ok, mais du coup, c'est pas des domaines, c'est plus des qualités. Du coup, les trois plus grands cerveaux d'Amérique. T'es pas au courant, c'est moi j'ai un truc. Pour qu'on les reconnaisse, faut qu'ils mettent tous un piltracheur. Ta mère, ils vont écouter du Relsan, cousin, non. Bon, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre sur des jobs différents chacun. Moi, je vous le dis là, clairement. Non. Moi, je vais péter les genoux. Eh ben, pète-moi les genoux, mais je travaille pas sans mes frères. QLF, je vois. On doit travailler ensemble pour être plus efficace. QLF. Ok. En vrai, Trix, avec la cargaison qu'on vient de recevoir. Pas maintenant. Mais ouais, avec la cargaison qu'on vient de recevoir en plus. Vas-y, tu vois pas. C'est n'importe quoi. Bon, déjà, pour le moment, vous allez travailler dans la mécanique là. Vous allez travailler au Gator Motor et vous allez me faire partir de la cam. À partir de ça, on va vous donner de la weed, vous allez en vendre à tous les clients qui vont venir. D'accord? Ouais. Donc il va falloir que carrément les gens deviennent fumeurs grâce à vous. Tu vois ce que je veux dire? Faut les rendre dépendants, man. Si tu travailles bien ici, t'auras plus. Mais genre, bien plus. Ok, attends, parce que crois pas que ça va être aussi facile. Venez, on fait une réunion, on discute. Venez, choisissez entre vous là. Viens. Choisissez deux bosseurs et un guetteur. Tu peux nous laisser parler, s'il te plaît? On réfléchit. Pète sa mère, on dit oui. On dit oui, mais on fait semblant qu'on fume tout le stock. Je veux dire, on va s'en manquer. Non, tu fumes pas de la ferme, j'ai pas fumé. Signe pas, ça veut dire ils vivent ici, ils dorment ici. C'est bon, ici, ils vont tous. C'est bon, on dit oui. Vas-y, on dit oui, mais ils font un truc de travers, je leur nique tous leur grand-mère, c'est bon ou pas? Exactement. Ok, surtout l'autre là avec qui bouffon, il se cache parce que lui, à part il fait des blagues mais il cache son visage, ce petit fils de pute là. Ok, c'est bon, on a bien réfléchi et on est d'accord, mais à quelques conditions. Ouais, de toute façon, t'avais pas vraiment le choix, mais dis-moi. Bien sûr, j'ai le choix. Ouais, bon. T'as le choix, mais un genou en moins si. Eh ben, même deux genoux en main, je t'encule. Écoute, j'ai. Attends, du calme. Ça va. Oh, vous êtes tendu. Tu parles mal, je parle mal. Non, écoute. Mais non, on commence à zéro. Ok. Voilà. Tu vois la voix de la sagesse. On veut un endroit où dormir. Écoute, tu parles mal, je parle mal. Tu parles bien, je parle bien. T'as compris? Sauf que nous, on est en position de force, c'est pas toi. Eh ben, cousin. Et cousin, rien du tout. Mais attends, écoute, moi je te dis juste un truc. Bien envoyé ça. Vous travaillez ici, et ben vous signez tout. Ça veut dire que vous bouffez ici, vous dormez ici, vous faites partie de notre quartier. Ouais. Et si demain il y a quoi que ce soit, et on va vas-y, c'est bon. Colle-moi au basket, je t'envoie un high kick du futur. À la base, c'est quoi? On cherchait même pas où manger ou dormir, mais on veut bien vous rendre service. Mais à une condition en plus alors, parce que vous voulez qu'on dorme ici, ok, on vous arrange si ça vous fait plaisir, mais on a une condition en plus. Vas-y. Beaucoup de conditions. On veut.
être tout le temps protégé des balas parce qu'ils vont vouloir nous niquer nos mères parce qu'on vous a trahi. Mais gros, écoute-moi bien, il y a même pas à t'assurer ça, il y a plus de balas dans une semaine. T'as c'est compris ou pas? Ouais, et dans 3 jours, une on semaine, est mort. On en a plus. Non, par contre, cachez-vous. Cachez-vous. Arrête. Pas, faites attention. Donne-moi un pétard. Toi, tu crois la vie si c'est donne-moi kiwi ou quoi? Donne-moi un pétard. Yo, mais tu tapes sur quoi? Je me suis tapé dans le torse. Je me suis tapé dans le torse. Je me suis tapé dans le torse. Donne-moi un pétard. Je ne te donnerai pas de pétard. Écoute-moi bien, je sais pas quoi là, Céliane, mes couilles. Céliane, retiens bien, Céliane. Travaille ici, t'auras ce que tu mérites, t'as compris? Attends, ici, ça marche au mérite. Ça vous va? Bader, Idriss. Ouais, ça me va, moi. Attends, okay. Deuxième condition, je veux plus jamais voir un big Jinsley Machiem à ce quartier, vraiment. Moi ça va. Et les ourlets, attends, les ourlets. Attends, moi ça va. Non, Romeo Elvis, non. Non. Et les cœurs des de Yannis, on va traser. Désolé, monsieur Trix. Parfait. Non, vas-y. Héros, il a un baggy de mec de chantier, il veut nous faire le styliste. Ah ouais, mec, quoi, gros, sol, je vais te finir. C'est bon, ça fait 4 fois que tu fais la blague là du suite qui touche le sol, on a compris. Gros Sazix. Hey, il recycle, frérot, on dirait un éboueur, c'est bon, on a compris. Oh, je vais te niquer tes morts, c'est toi, je Trix. Oui. On peut voir ton visage parce que j'ai l'impression que t'étais pas le vrai Trix là. Bon, bref. Moussa, tu les places dans des appart. Ouais. Ouais, à manger, à boire et un pétard, c'est bon, comme on a dit, parfait. Allez, on y va, les gars. Je crois que tu parles de sa mère. Vas-y. Attends, Trix. Quoi? Qui te dit que c'est pas des infiltrés? Ok, regarde. La vie de ma mère, je suis pas un infiltré, c'est bon? Allez, on y va. Laisse-leur une chance de s'infiltrer, que je les baisse bien plus fort. À part le pack, ouais, t'inquiète. Moussa, tu leur donnes le pack standard. Un starter pack? Ouais, un starter pack, tu te mets bien, mais si tu nous trahis. KDG, allez leur chercher 5 potions de chaque là. Vas-y. S'ils me font partir ça en 24 heures, vous restez. Eh, donne-moi 20 pochons, donne-moi pas 5 là. Vous aurez 5 chacun, mais de chaque type de truc. C'est compliqué ça. Eh, Trix, tu vas voir dans 3 mois, si y'a pas monsieur, c'est la bite, pour pas que je le tue, Aïe! Ah oui, autre règle. Pardon. Autre règle, le premier que je vois dans la trap house là, à l'intérieur ici. C'est quoi la trap house? C'est la maison de Logi. Allez, getting bends like a fucking model. Tell the guy you're silent solo. I'm drinking Remy out the fucking the bottle. Reaching out for a follow. Ciao, sayonara, hasta luego, salam alaikum. On dévale, on s'est mis en valeur. Dans mon cas, on te connaît pas. Fais gaffe à mon frère, il arrive tout à l'heure. Donc va-t'en, c'est mieux pour toi. Et allez, ciao. Tu me déconcentres. Sayonara, allez, salam alaikum. Si on va, c'est une faute d'élever pour les filles où elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent. Juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs. Ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.